Bon, désolé, il y a un petit souci au niveau du timer, je sais pas combien de temps il restait quand j'ai coupé. On devait plus être Très on loin. devait plus être très loin de la fin, excusez-moi, je vais y arriver. Je vais te dire. Ah bah 14, 14 secondes. 14, bah ça allait. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour... oui, réactive le son tout à fait avant que je n'y pense pas. Voilà. Donc bienvenue pour ce deuxième tournoi demi-finale de notre Ligue des Champions sur FIFA. Donc on rappelle le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Tu m'as coupé la parole, c'est vraiment pardon, très pardon. Très poli. Et on dit pas je suis pressé, est. Moi, je suis et pressé. On dit pas qui ouais, non, on mais je suis pressé oui. là. Je suis chaud là, c'est mon équipe. Donc, je suis avec Retro Yvenive la 30. Hello. Mais dis là, on peut pas dire bonjour. C'est super, on est super respecté. Je vais me barrer tout de suite. Je vais aller me voir, je vais faire un live sur ma chaîne. Ouais, bah un petit peu de changement de temps en temps. Hein. Voilà. Bon, et bah écoutez, du coup, deuxième demi-finale, on rappelle le premier qualifié? Le PSG, je l'ai pas dit. Malheureusement. Et pourquoi t'as fait de la pub sur ton live F1 là, pour ma petite carrière F1? Bah, peut-être parce que. C'est parce que oui, effectivement, aller voir ma carrière F1. Mais là, c'est du football, c'est ouais. Pas de la Formule 1. Ouais, nous, on tape quand même, mais quand même. Nous, on utilise nos pieds pour taper dans un ballon, pas pour appuyer sur des pédales. Tu sais, il y a des joueurs, vu que c'est des mobilettes, ils sont en mode. Mais voilà. Un joueur du Sheriff Tiraspol. Ouais. Ouais, mobilette. Restez avec nous, les fans du PSG, c'est le seul endroit où vous verrez le PSG. Peut-être la Ligue, peut-être le PSG gagner la Ligue des Champions. J'en fais une affaire personnelle. C'est peut-être la première fois que Neymar ne va pas se blesser pour jouer la Ligue des, pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Ouais, mais attends, on fera un truc réaliste, on le blessera. On va se laisser pour la finale. Ouais. Le voilà. Et là, je vais 3-0. Bon, allez, on part peut-être du coup sur du côté du jeu. Donc, oui. On rappelle les trois équipes. Oh, c'est quoi ce maillot là? C'est un maillot de FIFA Ultimate Team. C'est un maillot FIFA Ultimate Team parce que je joue à FIFA Ultimate Team. Voilà. Le Niblatown Football Club. Allez, c'est parti. Alors, du coup, rappelons les équipes. On va bientôt faire une petite Women World Cup. Du coup, disons les équipes. Oui, donc les trois équipes qualifiées qui sont donc. Bah, toi, on garde le suspense. Oui, mais non, mais les trois équipes qualifiées, je les rappelle, donc qui sont le Manchester City, le Bayern Munich et le FC Séville. Le problème, c'est qu'on va tout de suite voir qui va prendre qui. Voilà. Quand je vais prendre City, vous allez tous comprendre. Donc voilà, que les Nibla va prendre City. Puis généralement, si vous avez regardé nos autres lives, vous savez qui on va prendre. Et on a oublié de regarder les demi-finales si ça. Ouais, vas-y, ouais. on peut faire demi-finale. Ouais, on va. Non, mais ouais. Bah non, parce que non. C'est un match de poule là. Oui, mais oui, on mais peut faire, mais juste pour tester. Oui, non, mais c'est bon, laisse, on fera phase de poule. C'est pas grave. Parce qu'en plus, là, il faut match aller. Non, on fera pas finale. Enfin, on fera match aller-retour. Attends, oui, je suis il me semble qu'il y a match aller-retour. Il y a match aller-retour de mémoire. Donc, ouais, bon, c'est pas. Non, je suis pas là, moi. Mais là, je me cherche, je suis quel pays déjà? Je suis là, voilà. Je suis le pays, moi. Donc, Retro va du côté de l'Allemagne, ce qui veut donc bien évidemment dire. Le Bayern Munich avec qui j'ai gagné la Ligue des Champions il y a 3 ans. Ouais, je ne sais toujours pas comment j'ai fait 3 ans après. 3 ans et après, puis donc, vous avez compris, je vais bel et bien prendre ouais. Le SC Séville. Alors, je peux vous dire, je ne mettrai pas celui-là. Moi, j'ai le maillot d'Alland de cette couleur. Tu l'as pas mis d'ailleurs? Tu aurais pu le mettre? Ouais, non. Mais je crois qu'il n'est pas lavé. Oui. J'ai pas de maillot. Mais le rouge, mais le. Ah non, non, non. Non, 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 surtout pas. Mais le blanc. En plus, le rouge, je trouve qu'il n'est pas beau. Allez, on gère tout là. Alors, 5 minutes. Pourquoi ça met ce stade bon du coup, on va jouer au. Oui, non, mais il s'appelle City of Manchester City Stadium maintenant. City of Manchester Stadium. Je regarde. Non, non, il s'appelle plus l'Etihad, j'en suis sûr et certain, c'est passé devant. Ah si, il s'appelle toujours l'Etihad dans la vraie ville. City of. Oui, après, peut-être que du coup, ils ont changé pour pas avoir de problème. Été, il est 17h. On le fait un petit peu plus tôt que. T'as mis 16h30, hein. Oui. Il s'est dormi. Mais non, il fait beau, non, il fait beau. Beau. Il fait très chaud. Oh là, il est dégagé, on met 50 degrés, super. Ouais, effectivement, chez le nous, ballon. Il fait très beau. Je sais pas si à Paris il fait beau. Parce qu'on n'habite pas à Paris. Tout le monde l'aurait su. Mais pourquoi tu mets le radar en 3D, ça sert à rien? Moi, je suis fatigué aujourd'hui. Bon, c'est bon, il y a tout. C'est bon, les commentaires. Les commentaires, je les ai. Normalement, on n'a pas rejoué depuis. Hein. Ah si, moi j'ai peut-être rejoué depuis. Oh les équipes. J'aime pas les équipes. Non, tu vas faire jouer le fêtard? Ah, Jack.
Le fameux Jack. Fais gaffe, y'a moyen, ils sont bourrés sur le terrain. Et pourtant, c'est pas si bois. Il est bourré. Alors, Rodri, je te déteste. J'étais pour l'Inter, malheureusement, dans cette finale. Oui, il fait jouer Julian Alvarez. Fait jouer Alvarez parce que selon toi, c'est ton ballon d'or. Oui, c'est mon ballon d'or, oui. Non, mais pas tout de suite. C'est mon super sub. Foden. Alors, je t'aime pas. Donc, pas Foden. Voilà, c'est très bien, je pense. C'est qui qui est censé être. Pourquoi il y a Stones C'est qui est censé être défenseur gauche à cette époque. Kanji plutôt sur Enel, mais. Matanake ou. Mais il est passé où le défenseur. C'est parce que c'était Roi Cancelo. Et pourquoi Laporte il joue plus aux. Parce que c'est Laporte en fait. Non, Laporte il reste. Ça fait sortir ton seul vrai défenseur sur une aile de formation. Hein. Une preuve. Johnson, s'ils le font jouer à gauche, bah, je le ferai entrer à gauche. Il y a Dale et Blind. J'ai loupé des wagons moi. Oui, il y a Dale et Blind. Et il y a deux liens. C'est moins fort que Cancelo là, c'est quoi cette histoire? T'as même pas mis Müller? Ouh, et Matistel devant. Ouais, Bonassar. Tu mets pas Neuer? Gravenberg. Ouais, il y a pas Neuer, mais. Mais il est blessé. Sommer, il est blessé. Ouais, oui, mais moi j'ai mis Neymar, il était blessé. Et il y a Lucas qui va du côté de. Du PSG, Lucas? Bah oui, oui. Alors, attends, on n'a pas vu les équipes. Du côté de Nibla, Ederson, bien sûr, Rubén Dias, Lemric, Laporte. Je sais pas s'il fout là. Kyle Walker et Manuel Akanji. Gundogan, le futur Barcelonais, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Le futur parisien. Peut-être. Oula, Grealish. Il voudrait bien Bernardo Silva. Et en attaque, le cheat code numéro 2 de ce FIFA 23, Ryan Mahrez et Jack Grealish. Voilà. Numéro 3 ? Non, il y en a que 2 pour l'instant. J'ai dit numéro 2. Et j'ai pas vu l'équipe de Retro. Ah pardon. Et 3, ouais. Non même 3. 3 avec Vinicius Junior, il est bien pété ouais. Aussi dans le jeu. Alors du coup du côté de Retro, il y a Yann Sommer, Dayo Upamecano, Mathis De Ligt et Benjamin Pavard. Une défense à 5 avec Joshua Kimmich et Alphonso Davies. Au milieu de terrain, Goretzka, Moussiala, Serge Gnabry et Kingsley Coman. Et en attaque, bien tout seul, Sadio Mané. Allez. Tout seul, Sadio Mané, sans 7 mille gauche. Je stoppe Haaland. Ou lié gauche. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il y a eu le 7-1 de Naples. Le 7-1 de Naples. Oui, non, on ne raconte pas des cauchemars. Allez, c'est parti. On parle sur la musique. À l'Etihad Stadium. On va parler, on parlera un petit peu de l'actualité de FIFA, puisqu'on a eu pas mal de news sur IFC 24 ces derniers temps, dont il faudra qu'on parle. Enfin, pas mal de news. On a eu quelques news qui peuvent être intéressantes. T'as pas eu le mini ballon de la Ligue des Champions cette année, Nibla? Moi, je voudrais pour l'année prochaine, celui de l'année prochaine. Oui, parce que celui de cette année, pour l'avoir l'année prochaine, bon courage. Sur, c'est quoi ces maillots avec lesquels ils rentrent, les petits là? Ouais, c'est les maillots Mastercard, UEFA Champions League. C'est... Il y avait des la money. Ouais, il y avait des pubs avec les Messi. On parle bien ouais. Par-dessus. Les grandes Oula, le maillot de Sommer qui est quand même très pâle par rapport au maillot de C'est pas terrible. Ou pas Mécano et Pavard à côté. Ou pas Mécano et Pavard. Benjamin Pavard. Et oui. Et par contre, à cette île, il n'y a pas de français, vous savez quoi? Il y a quand même. Non, il est suisse. Ouais, mais c'est un suisse et il parle français, à mon avis. Non, je pense pas. Ah, peut-être quand même. Il a quand même peut-être appris la France. Ils sont pas trop comme les Belges où ils parlent pas trop toutes les langues, les Suisses. Ouais mais ils peuvent, c'est quand même. On y va. C'est quand même. Si tu veux un vrai francophone, t'as Emeric Laporte, même si. Mais il joue pour l'Espagne maintenant. Ouais. Faute d'avoir été appelé par Didier Deschamps. Bof. Il y a une défense centrale. Il a une Coupe du Monde en moins, c'est déjà pas mal, malheureusement pour lui. Il y a une défense centrale. Il a une Nations League à égalité avec Laporte, le Normand. Deux Français en défense. Allez, c'est parti. Il y a déjà une petite faute là. Il y a quoi là? Bah, il y a un petit coup franc. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais on est marché sur le pied. Encore une faute Nibla. Kevin De Bruyne, 0,12 chance de but. Oula, j'ai Sommer, il m'a fait peur. Oui. La caméra était pas terrible. Allez, on rentre dans ce match. Coman, Davis. Oh, j'ai les doigts qui glissent. J'ai les doigts, les mains moites. Voilà. Si j'arrive à parler. Coman. Oh oui, peut-être une petite main. Il est hors jeu. Mais il est hors jeu, Alphonso Davies. Je sais pas pourquoi j'ai donné l'heure, je savais très bien que. Rubén Dias.
Oui, puis là, ça se voit, il y a quand même un qu'il était hors jeu. Alphonso Davies, il va quitter sa position. Ça va jouer sur l'aile avec Joshua Kimmich. Akanji, de nouveau avec Kimmich, peut-être non. De nouveau avec Kimmich, avec Grealish. Avec Joshua Kimmich. Pardon, avec Grealish. J'ai encore fait une faute là, mais c'est quoi cette histoire là? Non, ça fait un bon joueur, à mon avis, non? Non, je pense pas. Ouh, elle est pas sortie là. Contrairement au joueur, Gnabry qui défend. Récupération de Kimmich cette fois-ci. Oula, par contre, il a fait une erreur tactique, une erreur de bouton surtout. La grosse attitude. Allez, Erling Braut Haaland, la frappe. Ouh, il y avait peut-être mieux à faire. Hein. Là, il y avait peut-être une extra passe. Mais j'ai trompé de touche, j'ai fait une PES là. De Bruyne. Le centre vers Bernardo Silva. Ouais. Le problème, c'est qu'en ce moment, je suis pas PES. Jack, parce que je me refais Grealish. Des vieilles Ligues des Champions si vous voulez savoir. On a eu des nouveaux PES, hein, donc on aura des jeux, on aura des nouveaux, on remonte le temps sur FIFA à vous faire, hein, Retro Live assez rapidement. On veut aller jusqu'à NBA 2K10, enfin du coup NBA Live 10 pour avant de vous refaire des jeux de foot. Il n'est pas des hors-jeux, monsieur l'arbitre. Il est pas hors-jeu, Gnabry. Kalish avec Mudogan. Silva. Ouais, que je voulais la faire. Pavard, la passe vers Kingsley. Mahrez. Ryan Mahrez, il joue toujours. Je sais même pas s'il joue toujours. Ryan Mahrez est un peu remplacé. Walker. Et pourtant, c'était un plutôt bon joueur, Ryan Mahrez. Walker, peut-être la passe vers Bernardo Silva. Non, ou pas Mécano. Non, non, non. Ou pas Mécano. Non. Comment ouais, mais le problème, c'est que c'est face à City. Ou pas Mécano face à City. Il est vraiment nul. C'est que face à City où il est nul. Ou pas. Alors, j'ai arrêté 3 pénalties l'autre fois. Est-ce que je peux en faire plus? Ouais. Contrôle de la poitrine, là, moi, je dis bien. Ah, c'est Haaland qui tire les pénalties. Parce que sur ma carrière, j'ai l'habitude que ça soit De Bruyne. Oh là 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 là, série de pénalties arrêtées par Retrovive qui continue. Mais c'est mieux quand c'est De Bruyne qui les tire les pénalties, je trouve. Bah, t'avais qu'à faire tirer De Bruyne. Ouais, mais je voulais tenter, écoute, hein, j'avais jamais tiré avec Haaland. Walker. Avec De Bruyne, justement, c'est le voilà. Oui, il est passé Joshua Kimmich, mais alors là, non, ça il est pas, c'est. C'est pas qu'il est passé, c'est juste que Haaland il fait n'importe quoi dans ce match. Oui, la dernière fois Mbappé il a fait n'importe quoi, il a mis un triplé et fait deux passes D. C'est... Mais oui, mais c'est Mbappé ça, c'est Haaland, lui quand il fait n'importe quoi, il fait vraiment n'importe quoi. Lui, non, quand il fait n'importe quoi, c'est minimum un doublé. Non, c'est un but. C'est Mbappé qui est minimum un doublé. Arrête là pendant. Ouais, ça se bat surtout, Retrovic, t'as du mal à passer le milieu de terrain. Pendant 3 bons mois, il a pas marqué Haaland. J'attends hein. D'avoir une occasion. Pendant 3 bons mois. Walker. Surtout pendant le milieu de saison. Oh, il est pas en jeu à Londres ? Si, totalement. Non, il va y avoir corner alors qu'on voyait Josep, ancien joueur du Barça et ancien entraîneur du Barça à la fameuse époque du Tiki-Taka et nouvelle main. Non, mais c'est quoi cette blague là ? Faut que ça arrête de plaisanter le jeu là. Matisse de Ligt, je crois qu'on va les enlever les mains pour la finale. Y'a rien ? Alors déjà la caméra est nulle. C'est la tête de mon joueur. Allez. Ouais, oh, il faut bien que ça rentre. Erling Haaland, l'ouverture du score, 27ème minute de jeu. Il broute, Erling Brut Haaland. On va voir si c'est une brute, Erling Brut. Aïe. Allez, 1-0 pour Manchester City. J'ai même pas remarqué. Après, c'est vrai que là, la défense, on dirait France-Gibraltar. Si vous l'avez vu le match. Ouais, mais j'ai appris où c'est l'arbitre, le joueur, mon joueur, dans la lumière. Non. S'il arrête, c'est rouge, l'arbitre. Oh bah il est passé à Haaland, elle est belle, il y a peut-être une passe à jouer, non il va la tirer, ouais, Sommer. Il a pas de passe à jouer. Il peut l'arrêter facilement, si il y avait une passe en frais. Ouais, mais. Qui il aurait fait très mal. Loin, il était quand même De Bruyne vers Mahrez. Silva avec De Bruyne. Ah les mecs, faut le centre vers Haaland. Main. Ah non, j'ai fait. Avec la chose Retrouve, tu touches le ballon avec autre chose que ton pied dans ta surface, c'est main. Oui. Silva. Dommage. Allez, Coman, peut-être tenter. Allez, Walker. Non, bah non. Essayez de conserver la balle plus de 3 secondes, Retrovive. Walker. Il est passé, Kyle. Et Haaland, oh là là là, ça se prosterne devant Erling Haaland, le doublé. Et le doublé. 2-0. Et il va peut-être égaliser Mbappé, hein, je me dis. Égaliser, c'est un score. Oui. Égaler, c'est tout le reste. Égaler le record de Mbappé. Il y a moins de matchs Mbappé, il peut égaler le record de Edin Dzeko. Il a un but en moins déjà. Alors... Non, Dzeko il avait plus de buts non, que ça. Non, il a 10 buts et Mbappé il en a marqué 9. Goretzka. On ira vérifier. Hein.
Attention, l'arbitre qui laisse l'avantage. Gundogan, il est pas hors-jeu à Haaland, bien sûr. Il n'est pas hors-jeu. Peut-être recentré ou tenter de gris-gritter et Pavard. Gnabry. Oh, la mauvaise passe. Tu la voulais vers Mané ? Walker. Interception de Delirte. Je la voulais à Bernardo Silva, il me l'a fait à Mahrez. Kingsley Coman. Ouh, il y a une petite faute là, qu'est-ce qu'il y a hein. Déjà jaune pour Léon Goretzka. Et là, il lui met pas là, Gundogan. Rien. On voit ça. Il y a Nada là. Il y a Nada. Goretzka. C'est moi qui le mets dessus. Hein. Ou pas Mécano sur l'aile, pourquoi pas. Allez, peut-être un bon centre à jouer. Corner. Il a de la vitesse ou pas Mécano. Corner. Elle est peut-être ta vraie première au cadre trop vive. C'est pas les tirer le problème. Hein, mais... oh. C'est le premier corner qui tire. Yama. Et Yama. Non, main mais dans. Oh non, mais j'en ai ras le bol. Il s'est fait que les mains pour. Et ici, il faut déjà pour le Bayern. Et on approche de la mi-temps. Voilà, bah alors là, il y en a une septième. Y'a rien du tout là. Jaune pour Kimmich. On revoit. Ah si. Alors là, il est en retard, hein, Joshua. Il a pris une grosse motte de terre. Ouais, mais... on touche pas à la pelouse que les devs de chez eSports ont passé une année entière à modéliser. Hein. Au lieu de modéliser des joueurs. Au lieu de travailler sur leur jeu. Non. Peut-être pas abusé. Ah, il est hors jeu. Oh, pour rien du tout. Ah si, on regarde le pied. Ah si, on le voit. Que dalle. Oui, mais pour que dalle. Avec la VAR, on l'aurait vu. Kimmich. Ouais, mais l'arbitre, il est pas censé le voir. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Ah, les arbitres sont pas sortis, mais j'ai pas été plus mixé en anglais, hein, hormis sur la frappe. Bah oui, t'as 5 défenseurs. Oh, moi, avec 5 défenseurs, je m'en prends aucun. Non, même, j'en ai 4 là. 6 tirs cadrés, un non cadré. Ouais. Il a fait 7 frappes. Et il mettait que 28% en taux de réussite. Non, mais des buts. Ah oui, des buts, oui. Le premier penalty t'as mis dans le baba, j'ai l'impression. J'aimerais une petite occasion. Le premier penalty t'as mis un peu dans le baba. Même si tu l'as arrêté, ça t'a mis dans le baba. Et après, t'as vraiment eu du mal. Il veut bien la chercher. L'autre, j'aurais dû faire la même après. Hein. J'ai mal le coup. Là, j'ai cru qu'il n'y avait pas hors jeu. Si, il y avait pas hors jeu. Il était trop près. Ouais, mais prendre trop près, ouais. Il aurait pu le lober, hein, je pense. Mais pas sûr que ça rentrait dedans. Le deuxième penalty. Ouais, et là par contre c'est obligé de rentrer, malheureusement. T'as plongé un peu tard, j'ai l'impression. Oui, non, mais puis il a surtout pas plongé du bon côté. Oui, mais un peu. Et là, ouais, là ta défense elle est. Ouais. Et puis Haaland il est bien passé. Hein. C'est surtout Coman qui le suit gros au départ. Gros pointard, puis... gros pointard Haaland. Non, ouais, extérieur du pied, ouais. C'est, non, surtout, non, Coman. C'est surtout Coman qui après, le suit au départ. Il y a trois fois rien là. Coman ou Coman ? Coman. Oui. Parce que là, elle est belle, celle-là. Elle est belle. Elle est belle, Kimmich. Ça mérite même mieux, là. Je vais faire des petits changements. C'est jaune orangé, hein, limite. Hein. Si ça te dérange pas. On va faire ça. 71-29. 9 tirs à 0. Oh la vache. Oh, je crois que j'ai jamais vu ça. C'est truc qu'à la fin du match, change de position à 0. Pardon. C'est pas possible de faire ça à 0. J'essaie. Il me semble que c'est pas possible. Bah si, tu le gardes tout le temps la balle avec le goal. Faudrait tester. Les changements, Nibla. Tu veux faire des changements? Bah oui, il l'a dit. J'ai pas écouté. C'est pas grave. Comme d'habitude, tu t'écoutes personne. Ouais, mais tu en parlais par-dessus et du coup... Ouais. Moi, je serais à rien que je fasse des changements, mon équipe est bonne. Peut-être faire sortir Kimmich qui est déjà averti. Faire rentrer, c'est dommage. Mais t'as pas fait rentrer Roi Cancelo qui est. C'est dommage que j'ai pas le Bayard, sinon j'aurais fait jouer Choupo-Moting en pointe. Rien à faire de Mané, en plus il vient de Liverpool. Ouais, voilà, exactement. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. Depuis qu'il est au Bayern, il marque un but par match. Ah oui, c'est pas terrible. La frappe de loin qui est retombée presque bien. Un but tous les 3 matchs, je dirais même plus. Alors la porte. Allez, Kyle Walker. Il est bien parti là, Riyad Mahrez. Si tu fais une blague et que tu joues avec City, je dirais la porte elle est là-bas, en défense. Bon, la passe en retrait vers Haaland. Ouh, il m'a fait peur là, Yann Sommer. Après, c'était pas sur le bon pied d'Haaland, c'était pied droit. Il m'a fait peur.
Allez, Pavard pour tirer. Non, pas Pavard du tout. Oh, le but contre Sokora. Ah, il est 3-0. C'est Akanji. C'est Emmanuel Akanji, j'ai l'impression. Et oui, tout à fait, c'est Akanji. 3-0. Le Suisse. Le petit Suisse. J'espère qu'il a bien mangé. C'est rare que je me prenne des buts sur corner, ça m'agace. On revoit ça. Bien ah, tiré. C'est pas grave, là c'est. C'est là, plus un sur rebond que sur corner directement. Tu peux rien y faire malheureusement. Ce but bah, si, pas la dégager sur Akanji. Ouais, mais. Oh là, attention, le but sur le coup d'envoi de Erling Haaland. Non, t'as parlé trop vite. Eh, Silva, il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Il est pas, il hors, est jeu. Pas hors jeu, non, Bernardo non, Silva. Deux triplés d'Erling Haaland. J'ai dit Bernardo Silva, je veux pourquoi. J'ai dit Bernardo Silva, oui, d'accord. Oui, oui. Haaland, oui. C'est Haaland, Haaland. Pardon, j'étais dans. Je peux. Mais c'est mais ça déjà 4-0, hein. Alors que moi, avec le PSG, j'ai gagné. Bernardo, s'il tient vraiment à revenir en France. S'il tient vraiment à revenir en France, il peut toujours retourner à Monaco. Enfin, j'ai envie de dire, nous. En plus, on vient d'engager un superbe entraîneur. Donc, franchement, il n'y a aucun souci. Il est portugais, Bernardo Silva, il est quel pays déjà, Bernardo? Bah oui, il est portugais. J'avais oublié. Une petite pensée quand même pour les commentateurs sportifs qui, quand ils vont parler de l'entraîneur de l'AS Monaco, vont devoir se retenir de faire des blagues. 72-28, encore pire la possession. Ouais, ça a perdu un de notes. Alors je vais pas m'amuser à essayer de prononcer le nom de. Parce que sinon je vais me faire ban par YouTube et c'est pas le but en fait. Hein. Bah, il y a juste un L et un T qui changent, voilà. Oui, bah, et un. Ouh, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Salut Clément, bienvenue à toi et merci de venir sur les lives. Un plaisir. Ouais. N'hésite pas à aller voir ma chaîne aussi, mais après le live, surtout. Oui, oui, parce que faut le watch time, la moula, tout ça, l'argent. Moi, je peux pas encore en avoir de la moula, j'ai pas de chance. La monnaie. Faut que vous soyez plus nombreux sur ma chaîne, voilà. Après, faut que je fasse plus de vidéos. Mais pendant les vacances, les vidéos, ça va arriver. Hein. Je vous rassure, je gagne pas d'argent. Moi, c'est vraiment pour la passion, je ne gagne pas d'argent. Même si je pourrais, théoriquement. Pas le but. Coman, peut-être pour la frappe. Ouh, on va moi avoir aussi, un corner. Même si pour l'instant, je fais pas trop de vidéos, voilà, pas trop le temps. Est tiré vers Benjamin Pavard. Il est pas cadré cette tête. De Liert qui va essayer, bah ben non, même pas. Même pour ça, ça va être des difficultés. Ouh, rendez-vous. Quoi. Il a voulu me tacler. Il a voulu me blesser. Haaland. Non, loupé vers Mahrez. Coman. Allez, peut-être une bonne passe vers Sadio Mané. Oui, tout à fait, Sadio Mané. Oula, ah, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Moussiala et bah, ça a pas le temps Gundogan. De déclencher la frappe. La passe plutôt, tu veux dire. La frappe, la frappe. Enfin, ça a pas eu le temps de déclencher quoi que ce soit. Cancelo. Tu voulais faire une frappe? Mané, bah peut-être, hein. Ça avait l'air plutôt, mais ouah vu la puissance qu'il mettait dans la jauge de tir, pas dans la jauge de puissance. Haaland, peut-être avec Mahrez, il est hors jeu, Riyad Mahrez. Le problème, c'est quand même qu'il s'y fait hors jeu trop tôt parce qu'il peut y avoir des joueurs, par exemple, qui peuvent arriver et récupérer la balle dans la vraie vie, par exemple. Ça mais là, quand même, là. Oui, mais ça peut arriver, il peut laisser la balle parce que moi je l'ai. Mané, la frappe. Oh oui, Sadio Mané. 4-1, l'honneur est sauve. Le goal à l'arrache peut être important. Oui, hein. Oui. Mais c'est vrai, je dois pas en marquer trop de buts. C'est vrai, je dois pas. Il s'endort minible. Non, mais je parlais, j'étais concentré sur ce que je parlais. Ouais, il s'endort, mais ça fait 3-4 actions que je suis à la suite là. Et surtout, je sais pas ce qui s'est passé. Oh la Lulu. Ma défense, c'est bon, c'est facile, attends. Moi, j'en marque tous les jours si j'ai plus personne devant. Allez, c'est bon. Allez, 4-1, c'est reparti. Ah non, je crois qu'on avait perdu l'affichage. On a perdu aussi Haaland. Haaland, il a arrêté de jouer. Il a cru que c'était déjà la fin du match. La 72e minute. Bon, après, c'est déjà peut-être un peu la fin du match. Mais ouais, 4-1, quoique. Ouais. De Liert. Il reste quand même 20 bonnes minutes à jouer. Ouais, mais Davis. On est sur FIFA, on est pas il sur. Il reste 3 buts. Ça fait grosso minso un but toutes les 6 minutes. Déjà, il va. Faudrait qu'il défende celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, pourquoi il a fait une passe? D'accord, il a surtout écrasé complètement sa frappe. Cancelo. Non, mais je lui ai demandé de faire un centre. Gnabry, il est passé, Serge. C'est un centre à rat de terre. C'est cool les centres à rat de terre. Phillips. Qui a la porte.
Oh, l'interception très haute de... Zidane, j'ai pas fait gaffe qui c'était. Je crois que c'était Pavard. Ça avait l'air d'être Pavard. Malheureusement, ça peut pas être converti par Rétrovive. Walker, il est parti. Ouf. Si Walker, si les Red Marais, il est parti. Walker rejoint les États-Unis et plus précisément le Texas. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est Walker Texas Ranger? Non, mais. Ouh, la rêve vieille qui doit parler à personne, mon dieu. J'ai rien compris, moi, en plus. Walker... Bah, mais tu connais pas la série Walker Texas Rangers avec Chuck Norris. Les Chuck Norris Facts. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors... Bernardo Silva, je vais le faire sortir. Ouh, en fait. Ouh là, il y a une petite faute. Il revient à la faute. L'arbitre est jaune pour Benjamin Pavard. Sur Haaland. Normalement, tu dois te casser les pieds quand tu tacles Haaland, hein, mais on ne va rien dire à FIFA. Allez, De Bruyne pour le tirer. Essayez de bien le placer, pourquoi pas. Kevin De Bruyne, c'est parti. Non, il n'était pas cadré. Il n'était pas cadré. De toute façon, le gardien est dessus. Sommer qui va dégager, il va y avoir personne. Les gardiens ils sont beaucoup plus forts sur les coups francs. Ouh, Mané qui a failli l'intercepter. Sur PC. Walker. Et il y a une autre faute. Il y a une autre faute, mais là Marez est parti. Marez est parti. Ouh, attention à la main. Oh là par contre, il y a une grosse faute dans Coman. La surface. Il n'y a rien du tout. Si, je vous montre. Voilà, peut-être ballon, pas la meilleure passe qui puisse exister. Davis. Mais sur PC, la passe vers Mané. Il y a quoi? Pourquoi mon gardien est sorti? Ah! Mais pourquoi il a arrêté le jeu là? Il y avait hors jeu? Sûrement. Par contre, ton gardien, j'espère qu'on va pas avoir le bug des goals. Je voulais le marquer, le but là. Oh! Il a arrêté le jeu pourquoi là? C'est mon goal, il l'a vu partir, il a fait un okay, il devait y avoir hors jeu. Ouais. Alors, c'est il y a une nouvelle règle quand un mec a fait faute avant et qui touche le ballon, on lui. Ouais, peut-être. Non, mais ça m'étonnerait qu'il y ait cette règle. Walker. Il est parti, le centre. Oh non, ouh, mais ça, il est nul. Ça caressait la ligne d'en but. On revoit ça. Mais non, mais là, mais ça a caressé la ligne d'en but. Le ballon, il a fait ça. Le ballon, il a fait oui. Le ballon, il est sorti du but. Allez, c'est reparti. Il y a un mur invisible sur le but de Rétrovive maintenant. Depuis qu'il a marqué son but, je peux plus marquer. Gnabry, et c'est fini. Siffle, le coup de sifflet final. J'ai l'impression que ça fait 15 minutes que c'est la 90e minute, mais... Et donc, 4-1, victoire pour Manchester City. Est-ce qu'on va avoir la finale des fair play financiers entre Manchester City et le PSG? On l'a fait aujourd'hui, la finale. Non. J'ai trop envie. Bah non. J'ai trop envie. Ouais, mais qui dit déjà que ce sera Manchester City, premièrement? Oui, mais ça peut être une de mes équipes, de toute façon. Mais quoi qu'il arrive, prenez oui. Le PSG. Donc, on s'en fout un peu. Ouais, je vous ai dit qui je prenais. Regarde. Buteur 2021-2022. Edin Dzeko, 10. Ah ouais, 10 pour Edin Dzeko, très bien. Je pensais pas. Joueur. Ça fait déjà. Londres. Il a marqué 3 buts à Londres. Déjà, oui. Après, il y a eu. De Akanji et un but de non. Sadio Mané. Ah oui, un but de Sadio Mané. Qui a fait des passes D? Meilleur buzzer c'est Mbappé, meilleur buteur c'est Mbappé. Vous savez quoi? On refait peut-être un petit coup de classement ou un 3-3. Mais non, Tu es devenu muet, tu es déçu. Non, je regardais qui avait gagné le Tour de France, je suis désolé. Qui avait gagné le Tour de France? Qui a gagné l'étape? Oui, l'étape. Et Pogacar qui a repris du temps à Vingegaard. Refais voir du coup le live pour voir si on n'a pas eu de gentils messages dans le chat. Non. Donc, N'hésitez pas à parler dans le chat, sérieux, hein, ça permet de passer le temps et tout. Alors, sauf quand c'est moi qui joue, parce que après, quand je joue face à Rétrovive, parce qu'après Nibla lui il regarde pas. Bon, on a peut-être fait le tour des trucs là, on n'a pas fait attention spécialement. Donc 4-1. Qui est meilleur passeur? Bah on va voir ça, attends 30 secondes. 68-32 de possession, il y a eu de l'amélioration. J'ai quand même fait 5 tirs. Et je mets un but avec 0,5 chance de but. Ouais. 18 tirs, 6,3, 102 passes. Ouais, mais à 83, j'ai rétabli un peu la situation. Ouais. Il a arrêté de jouer à un moment. 67% précision de tir, c'est pas terrible, Nibla.
Ouais, mais les derniers tirs là, j'ai l'impression que le ballon il voulait pas rentrer dans le but. J'ai eu du mal à trouver la vitesse de. Non, ta manette. Ah, ta manette est horrible là quand même. Mais t'as des changements avec. Ah, moi j'aime pas toucher les trucs où ça là les trucs comme ça, c'est pas agréable. Alors on rappelle le deuxième match, le Bayern Munich contre Séville. Ouais. Donc 5 cadrés, 12 cadrés pour Nibla. Et si Séville gagne, cadrés. On aura directement la demi-finale. Les notes. C'est Nibla, regarde. Pour éviter que nous on n'ait pas le chat, je fais comme ça. Ah oui, c'est pas vrai. 3 buts pour Hollande. Une passe décisive pour Bernardo Silva, une passe décisive pour Walker. Pourquoi il a un ballon, Walker? Ah, il est homme du match. Il est homme du match. Ah, 8-9. Kyle Walker. Hein? Pas confondre avec Kemba Walker. Une passe d'ess pour Kyle Walker. Non, mais regarde, clique sur les passes d'ess. T'es fort en défense centrale. Hein. Et une passe d'ess pour Bernardo Silva. Bah oui, il y a eu deux buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà. Mais moi de mon côté, 3 buts pour Haaland. Et alors de ton côté, on a eu une petite passe d'ess pour Kingsley Coman. Et au niveau des notes, 7-6 pour Pavard. Kyle Walker. Ouais. Kyle Walker. Pas bon de changer. Et voilà, du coup, les meilleurs buteurs, le tableau. Et t'as mis Coman? De quoi? Ah, mais un meilleur passeur. Oui, une passe. Coman. Voilà. Il y a un M ou deux M? Allez. Un M. Ah. T'es même pas écrire le nom d'un champion du monde, toi. C'est triste. Allez, c'est parti du coup deuxième match, tu vas à domicile, bah, tu restes à domicile du coup. Alors, n'hésitez pas à parler dans le chat bien sûr. Je tenterai, si je suis en finale, je tenterai un nouveau nom, je tenterai EAS pour eSports. Peut-être là c'est le cheat code. Non mais pas en finale, en demi-finale. Oui, vous avez compris. En finale de conférence, là de poule pardon. Ouais. Allez, du coup, moi je vais du côté de l'Espagne pour prendre l'équipe la moins forte possible, hein, à savoir le FC Séville. De toute façon, j'ai déjà gagné tous mes matchs. Et bah, je joue en blanc. J'ai déjà gagné tous mes matchs. Alors, on va pas jouer à Leicester. Alors, il n'y a pas l'Alliance. Elle y est plus, mais ça fait depuis FIFA 19 qu'elle n'y est plus. Non, ou FIFA 19 ou FIFA 18. Mais elle devrait revenir puisque eSports devrait avoir les droits pour l'Euro 2024. Et ce sera le stade de la finale, si je ne m'abuse, hein, ce ne sera pas l'Olympiastadion de Berlin. Du coup, on va prendre un stade. Le stade de Mayence. Le stade de Mayence, c'est lequel? Le Mainz. Le Mainz Arena, ok. Allez. Bon, il ressemble pas tellement à l'Allianz Arena. En été, il est 18h30, je suis 17h30. Je suppose. Dégagé, très bien. Bon, tout le reste, ça doit être bon. Donc, gestion d'équipe. Ouf. Oh, il y a Lamela, bah c'est bon, j'ai perdu, il y a Lamela. Non, on va quand même faire jouer un vrai gardien. Un vrai joueur, Lucas Ocampos, et on va faire jouer un vrai gardien. Oh, mais il y a toi là, le mancunien. C'est un mancunien. Oui, ancien mancunien. Non. Si. Non. Si. Ancien mancunien, si, si. Allez, pour ceux qui... Non. Oh, mais il y a Jesus Navas. Ah non, attends. Je tente Choupo-Moting avant-centre, hein. Oula. Merde, c'est... Voilà, c'est Sousso. On sort Lamela, je ne peux pas Lamela. Lui, on va éviter pour éviter de me faire démonétiser. Ah oui. Bah oui, oui, oui. Je sais ce que je dis. Du coup, de mon côté, c'est un ancien Marseillais, ça. Qui? Gay. Chez toi? Oui. Peut-être. Ça y ressemble. Oui, 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 t'as raison. Ouais. Alors du coup, Bounou, Nianzou, Gudel, j'ai probablement la pire défense de l'histoire du FC Séville. Jesus Navas, qui a 45 ans, et Acuña. Au milieu de terrain, Rakitic, Torres, Gay. Alors, Rakitic, hormis Rakitic, j'en connais aucun des deux. Il y a Gay, juste, j'ai eu peu, on aurait dit un ancien joueur de Marseille. Donc. Ah, mais t'as Ocampos. Oui, et en attaque surtout, Gomez, En-Nesyri et Lucas Ocampos, l'ancien monégasque. Qui m'a fait aller en finale. Le seul changement que j'ai fait dans cette équipe, c'est Choupo-Moting. Donc je tente en attaque avec Cancelo. Est-ce que ça va être le sauveur? J'aimerais bien avoir de la vie. Et sur Onel, est-ce que Acuña va être passé? Parce que je pourrais dire Acuña Matata. Ouais. Allez. Je crois qu'on l'a fait vraiment à chaque fois qu'on joue avec Séville. Hein, c'est de la vie Acuña Matata. Oui. Alors, le faux stade du Bayern. Ouais, du coup, le stade de Mayence. Allez,
On a dit que c'était un stade allemand. Ouais. On rappelle, si Fan Bato gagne, demi-finale directe. Sinon, il y aura un troisième match au pool. Si, il y a l'Olympia Stadium. Bah oui, mais je préfère jouer à Mayence. Il choisit, il est à domicile. Hein. Ouais. Donc, du temps qu'il choisit un stade allemand qui bon, est différent. Mon stade, il y a une inondation. Ouais, on voilà. peut pas jouer à l'Allianz Arena. Une inondation en Allemagne? Ouais. Bah, tu sais, il peut y en avoir partout des inondations. Hein. Ouais, mais c'est pas en Allemagne. L'Allemagne. Le Bayern n'avait pas les plus beaux maillots du siècle, là. Hein. Ouais. Moi, c'est tout ce que je dis. L'Allemagne n'est pas le premier pays qui me vient à l'esprit quand on me parle d'inondation. Mais il peut y avoir de fortes pluies partout hein, maintenant. Oui. Ouais, mais quand même. Il y a des rivières un peu partout aussi. Donc, récemment, je pense à la France et à l'Italie. Et je... jamais de maillot, c'est vraiment Séville, ils sont toujours en blanc. Quel est l'équipementier de Séville, s'il vous plaît, parce que je ne connais pas ce... Butterfly. Ouais. Non, je sais pas. Castrol, Castor, Castor. Castor, ah bah un équipementier, on avait même pas fait attention. Castoré peut-être. Ouais. Si c'est, Est-ce que c'est le Kipsta espagnol peut-être. Allez, on y va. Pierre Castor, non, c'est Père Castor. Ah oui, merci. Père Castor, raconte-nous une histoire. Allez, allez, c'est parti. Pareil, la référence Père Castor, elle doit plus parler à un grand monde. Hein. Je connais, ça va. Bah ouais. Walker Texas Rangers, tu connaissais pas quoi. Oui, bah c'est pas mon époque. Bah, pourtant, c'est la même époque, Père Castor et. Oh non, arrête. C'est peut-être encore plus vieux, Père Castor. Bah oui. Des années 60, ouais. Comment je peux. Bah, après, c'est que les castors, je les connais bien. Écoute, j'adore les animaux. Tu vas à Castorama? Oh, il y a Rakitic! Bah oui! Oui! Je l'adore. Torres! J'adore Rakitic. Oh, oh Yamin! Yamin! J'en ai ras le bol, moi! Roulement de tambour! Qu'est-ce qui se passe? Et Benjamin Tavard! Et là, il va louper bah. Son gentil. Oh non, non, non! Non, mais y'a rien du tout, en plus, il le prend dans le bavant. Allez, c'est Rakitic qui va le tirer. Ah, je suis pas certain, mais bon. Bon, il a jamais tiré un penalty de sa vie, donc. Oh là là, mais c'est pas vrai! Là, il a plongé vraiment au bon moment. Au Campos. Avec le numéro 5, ça fait bizarre, hein, attaquant avec le numéro 5. Gomez. Nesri. Oh là là, c'est contré, j'aurais peut-être dû tenter une passe. Tout le monde a plus de. Genre le 12. Les défenseurs, ils ont le 12, le 13, le 14. Coman, voilà, attention, Coman il est passé. J'ai Nianzou en défense centrale, j'ai jamais entendu parler de lui. Oh. Et Bounou qui sort. Ah, Bounou, on le connaît, Bounou. Ouais. Gardien du Maroc. Pour moi, il est censé être. Attention à pas mal le prononcer et devenir raciste. En vrai, au Campos. Bounou, c'est mieux que. Je suis désolé, Emiliano Martinez, il mérite jamais son. Oh oui! Oh là! Oui! Qu'est-ce. Attends, je suis. Si, il y est. Il y est, c'est Nesri, je pense, vu de loin, ou Gomez, peut-être, je sais pas. C'est pas du tout. C'est. c'est pas Héro. Je l'ai pas fait jouer par Héro, alors. Mais de toute façon, il joue pas à Séville, par Héro. Oui. Je sais pas qui c'est. Le 24. Le 24, bah c'est super. Je pense que c'est pas Gomez, le 24. Je pense que c'est Gomez, on va voir ça. En tout cas, l'entraîneur de Séville est content. Je crois, je suis pas sûr. Allez, ça fait 1-0, on va voir qui c'est. C'est Gomez, ouais, si j'avais bien vu, c'était bien Gomez. 11 minutes. Oh, Maxime Choupo-Moting. Bounou. Allez, vers Navas. Allez, Lucas Ocampos. Allez, il est parti, Lucas. Montre que t'es un ancien monégasque. En te loupant magistralement dans la surface. C'est comme ça qu'on montre qu'on est un ancien monégasque. Allez, le rétro. Et là, on se prend un petit pont, bien sûr. Allez, Joao Cancelo. Attention à Nianzou. Attention à Eric Maxime, surtout. Attention à Eric Maxime! Bounou! Bounou, mais le problème c'est qu'il a Bounou là. Eric Maxime, tu vois. Et il y a. Il a sorti de but, mais ton joueur a été bizarre, il a tourné autour du ballon. On voit le but d'Alejandro. Et il a failli pas passer. Hein. J'ai eu peur qu'il rentre pas, oui. Allez, Bounou. Il t'a fait peur, Rétrovieux. Jesus Navas. Avec Nianzou. Gay, mais je pose cette question, mais c'est qui Nianzou? Il me semble que c'est un ancien joueur de Marseille aussi. Qui es-tu? Ils aiment bien repêcher les anciens joueurs de Marseille, Séville. C'est à peu près du même niveau, en plus, Séville et Marseille. Attends, je veux dire qui c'est. Ocampos, il est passé au Campos. Vas-y, tu peux le faire, Lucas. Alors, Lucas! Ocampos, c'est toujours gardien. Bienvenue à toi, sur ce live. Alors, Nianzou. Allez. Alors, ça s'appelle pas du tout Nianzou, il s'appelle Tanguy Kouassi.
Rakitic. Il s'appelle Tom. Vers Ocampos. Bah oui, Benyanzou, ça doit être un. T'es sûr que c'est le bon? Oui. Rakitic. Alors, il a joué au Paris Saint-Germain au Bayern. Il y a personne. Il a joué au Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Rakitic. T'entends bien? Oui, oui. Au Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Il a joué 13 matchs avec le Paris Saint-Germain et 28 avec le Bayern Munich. D'accord, bah il a rien à foutre là. Merci, Nianzou. Non, Choupeau. Mais je suis en Choupeau qui a pris de vitesse. Guedelgem de Pérou. Mais oui! Choupo-Moting! Je le savais, j'aurais dû tacler. Le but de l'année. Ah non, pardon. Et le voilà, le joueur. Eric Maxime. Tu vois, je te l'avais dit, c'était le... Tu vois, je te l'avais dit, c'était le bon plan, Eric Maxime. Le sauveur. Pourtant, du coup, ça fait 1-1. Choupo-Montage. Oh, comme il l'a pris de vitesse. Ouais, la... Bienvenue dans FIFA. Allez, un partout. Allez, mon petit Lucas, je compte sur toi. Choupo-Moting, meilleur buteur. Il a de la vitesse, Lucas, hein. Il a de la vitesse. Si le Bayern se qualifie, je prends Choupo-Moting et joue avec le Bayern Munich en finale. Oui, s'il se qualifie et en finale. Et si Ratrovic gagne avec le Bayern Munich, il a le droit de jouer contre moi en finale. Bah, bien sûr. Parce que c'est son équipe. Oui, c'est, il a choisi. Enfin, il a choisi. Tu lui as donné cette équipe. Ouais, mais de toute façon, il l'a choisi. Je lui avais promis. Que si je qualifiais le Bayern, je lui donnais. Oh là là, mais j'ai pas le temps de faire des centres là. Et la promesse a été tenue. Kingsley. Oh là, il est passé Kingsley. J'ai pas de vitesse. Jesús Navas. Y'a rien à faire. Ouais, bon, Jesús Navas, c'était pas une bonne idée. Je vais remettre Alex Télé, je pense, à la mi-temps. Et j'aurais plus jamais une idée aussi stupide que Jesús Navas. Hein. C'est toujours pas attiré à trouver les corners. T'as fait des corners à Ramos, je sais, ça marche bien. Ouais, sur FIFA ça marche bien. Oh là là, mais Nesri la vitesse! Nesri la vitesse! Y pour sortir. Nesri! Il est trop en angle, ouais. Il est trop en angle. Comme toi, comme tout à l'heure. Comment? Allez, Ivan! Comment? Comment? J'ai entendu quelqu'un qui Rakitic. Oh, c'était quand même. J'ai entendu dans les tribunes quelqu'un qui a sifflé, du coup j'ai fait. Ouais, oh. Mais ça c'était pour. Comment? Il joue comment? Allez! Oh, attention! Oh, ça arrive! Parlez-vous! J'ai bien, c'est que. Alors, Goudèche qui est plus long qu'Eric Maxime Choupo-Moting, mais qui est aussi rapide que Serge Gnabry. FIFA. Choupo-Moting, il est quand même rapide, hein? Ah, oui. C'est pas un fonce dans ça. C'est pas comme Lukaku, comme Giroud. La caca. Ah, pardon, Giroud, c'est pas trop en fond. Allez, Gomez, il est passé, Alejandro. C'est pas comme Zlatan. Alejandro. Ou Allende. Y'a personne. Allez, le centre pourri, je le savais. Ouais, franchement, il aurait pu siffler la petite main là. Oh là là, il laisse traîner son pied. Oui, Rakitic. Bah, toi, si tu laisses traîner son pied. Oh, je l'ai pas là. Attention à Eric Maxime. Sur FIFA, quand tu tacles pour essayer de récupérer le ballon. En touche. Ah, dommage, c'était pas mal cette balle. Ah, salut Luc, André Bidias, si ça se dit comme ça. Bon, bienvenue à toi. Oui, bienvenue à toi. Allez, Lucas, mais vas-y, écoute, Lucas. Écoute. Eh ben, avec Fenn Baton, on sait pas prononcer les noms des personnes. Comme ah oui, Nesri. On essaye. Des fois, vous avez des noms. Je fais des plombons. Vous avez des noms de Ikea. Il y a des. De meubles Ikea. Alors toi, ça va, t'as pas un nom de meubles Ikea. Parce que je trouve une grosse mouille. Globesquefeu. Le Globesquefeu. Allez, 2-1. De Ikea. Non, la table basse. Le Billy. Ouais, mais ça, en vrai, c'est facile à prononcer. Ouais. Allez, Youssef Nesri, ça fait 2-1. Et ben c'est la mi-temps. Le smug of Rome aussi de. Ah là 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 là. C'est une arme, moi, le smug of Rome. Mais c'est super. Vraiment, si vous voulez refaire votre déco, vous pouvez demander à Nibla les références Ikea au poil. Surtout les billes, achetez des billes. On en a plein dans la salle de jeu, si vous savez. On en a plein dans la salle de jeu des billes. Ce sont des bibliothèques, hein, je rappelle. Et je vous dis. Allez, on revoit peut-être les actions de cette première mi-temps. C'est quand même des bons meubles. Oui, c'est des meubles. Hein. C'est bien joué là quand même, il y a des joueurs qui suivent le deuxième poteau. C'est pas des personnes. Contrairement à Retrouve quand on fait un foot en jardin, lui il suit pas. Ta deuxième occasion.
Lucas. J'ai pas compris ta blague. T'es trop en angle là. J'étais toujours trop en angle. J'ai pas compris ta blague. Allez, on compose qui. Salut, j'ai EK Omar. Bienvenue à toi. Et le but de Choupo-Moting, d'égalisation. Pas de taffé, pas de taffé. Et là, la deuxième grosse occasion à la suite. Et là, je suis trop en angle. Le ballon passe à travers les pieds, mais hop. Même une grosse frappe. Et là, j'ai fait une séance de plongeon. Ils ont fait une déformation du ballon, c'est sûr. Ouais. Il joue pas mécano, il joue pas dans le bon sens. Ouais. Et Sauveur qui est pas clair là-dessus. Hein. 57, 10 tirs, 3,5 chances de but. 100% de précision des tirs. J'ai fait plus de passes que toi, dis donc. Ouais. 41-39. Pas beaucoup de passes, j'ai l'impression. Petit graphique de la possession. J'ai joué que sur l'aile de Campos. Hein. C'est tout. Et encore une fois. C'est sur l'aile de Coman. 8 cadrés, 4 cadrés du coup pour toi. Et encore 100%. Un penalty arrêté de mon côté. Ouais. Ça en fait beaucoup. 4 sur 5 en deux matchs. Bon, alors Jesús Navas, il est gentil, mais il me fait peur, donc on va faire rentrer Alex Telles. Bon, en deux matchs, en deux tournois. Bah, il change rien. Allez, on y retourne. C'est donc reparti pour ce match entre le Bayern et Séville. Le voilà, Alex Telles, Lucas Ocampos. Allez, on continue sur ce tel. Hein, il a été. Oh, il y a une petite main là. Bon, il avait laissé l'avantage, puisqu'après tout, t'avais gardé le ballon. Oui, il n'a même pas fait pour revenir à la photo. Ouais, bien joué. Allez, au Campos. C'était pas là-bas que je la voulais. Oh non, mais rends-la pas. Ah là là, c'est stérile. Belle passe, là. Oh là là. Le force field autour de tes joueurs qui s'est activé là. Je peux plus m'approcher d'eux. Ouais, Acuña, t'auras pas pu faire Acuña Matata. Il est parti. Acuña Matata. En-Nesyri. Ouh, il était pas mal le centre. Ouais, attention aux blessures. Comment? Comment? Hop. Oui, Nianzou. On va passer par le gardien et on va dégager, hein, si vous me le permettez. Oh, dommage. Acuña. Gomez, on va la rejouer vers Acuña. Oh là, j'ai de la ch... Ouais, les Yamin. Yamin. Joue vite. Non, il peut pas la jouer vite. Allez, Goretzka, c'est joué vite. Oh, ben non, Gomez. Oh. Oula, elle est où ma défense là? Ah, ça s'est jeté un peu là. Kimmich. Oh, pas terrible ce. Sur ses appuis arrière, mais c'est pas passé. Ce centre. Allez, En-Nesyri. Il a passé En-Nesyri. Oh, avec Torres sur la petite balle piquée. Torres la frappe. Non, oh, c'est pas cadré. J'ai cru que c'était terminé. Ben, il s'est blessé. Tu me l'as taclé? Non, mais il s'est. Si, tu me l'as taclé, Dayot ou pas Mécano? Qu'est-ce qui s'est passé là? On va revoir ça. Tu vois, il va te siffler une fois tomber. Tu ramasseras ce que t'as fait tomber. Ouais. Mais oui, il y a pénalty. Oula, je l'ai pas loupé derrière. Allez, pas deux. Ah, pas deux, rassurez-moi. Oh non, je l'ai loupé. Ouais, ça va, j'y avais pas bougé. Toujours pas. C'était presque une balle de demi-finale directe, ça. Hein. Oh là là, j'ai des occasions et je les convertis pas. C'est nul. C'est nul. Attention à Coman face à Alex Telles qui a pas plus de vitesse que Jesús Navas. Oh non. Mal joué. Oh, il y a une faute là, il met un coup dans le tibia. Non, cadre, purée. Il m'a mis un giga coup de pied dans le tibia. Allez, il en faut deux. Il va mettre ses protèges tibia. Allez, Acuña. Acuña, ma tata. On va arrêter de faire cette blague parce que là, je trouve qu'on a plus compris. Et c'est pour les nouveaux vieux verts.
Gomez. Mal tiré. Je vais bien réussir à en mettre un avec Ocampos quand même. Il est hors jeu. Non, il est pas hors jeu. Il était pas hors jeu, d'accord. Je pensais qu'il revenait de hors jeu, très bien. En-Nesyri. Ça va donner un corner. Il est un peu petit là. Je sais pas qui c'était. C'était pas un match très passionnant, je trouve. Gay. Connu mieux en tout cas. Nianzou. Teles. Rakitic. Oh là. Torres. Allez, Alejandro. Oh Gomez. Oh là. Les Sommer, deux. C'est quand même du gros gardien. Les deux joueurs, ils se sont changés l'un l'autre là. Impossible de défendre. On va pas faire rentrer Jordan. Allez, bien le tirer celui-là. Voilà, mais je la joue toujours sur Gomez et Gomez est toujours trop petit. Il grandit pas entre temps, c'est dommage. Oh, En-Nesyri ! Oula, c'était bizarre, Yann Sommer. Gnabry, attention. Pas ce moment-là du match. Oh là là, je pensais qu'il la toucherait. Non, oh c'est non. Mal joué, Rakitic. Avec En-Nesyri. Ah, c'est la balle qui l'a loupé là. Pour la ah, mal joué. Pour l'égalisation. La balle d'un espoir pour se qualifier. Il y a peut-être une dernière. Attention. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je croyais qu'il la donne. Il la donne pas dans la profondeur. Mais il faut la refaire à son gardien là. Ouais. Yann Sommer. Oh, mal joué. Enfin, du moins contrôle bizarre. Mal ouais. Contrôlé. Plus que mal joué. Ou attention. Choupeau. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai l'impression que les joueurs là de Retrovive, ils se sont détruits. Oh là 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 là, j'ai essayé ces petites balles en profondeur là pendant tout le match, ça a pas fonctionné. Ouais, ah, Gay. Allez, En-Nesyri pour le doublé. Non, c'est arrêté par Yann Sommer. Ah, c'est fini. Allez, bien le tirer. Pourquoi ils veulent le jouer vite ? Bien le tirer à Cunha. Mais 2-1, c'est rien de le jouer vite. Il devrait faire monter ce gardien. Alors, la demi-finale directe. Ouais, y'a pas de joueur qui monte sur Gomez. Ça peut faire mal ou attention, une petite main. Allez, pour savoir qui est à domicile, quand même, c'est important. Ou alors on joue sur un terrain. T'avais gagné 4-1. Ouais, après je. Allez, moi j'ai gagné 4-1, moi j'ai joué à 10 plus de buts. Hein. Écoute, faut que tu marques plus de buts. Après t'as pas la même équipe que moi, mais faut que tu marques plus de buts. Hein. Oh, la course en touche. Puis en vrai, oh, il y a rien. Je me suis fait ramasser là. Il y a rien, Alex Céleste le jaune. En vrai, sur FIFA, ça sert plus à rien. De l'avantage du terrain. L'avantage du terrain, c'est vrai qu'il donne pas grand chose sur FIFA, mais quand même. En plus, quand tu t'appelles City, et que tu joues comme ça. Ce qu'il m'a mis ? Ça vaut rouge, en plus, c'était. En plus, on n'a pas joué à. Au stade de Céli, c'est San Mames, non ? Ou c'est. Oui, non, si, c'est bien. Oh non, il est non. Pas dans le si, lieu, San Mames, bien sûr que si, il y a tous les stades espagnols pratiquement. Oh non peu. Allez, finale directe, finale directe. Entre le Bayern et Séville. Ah non, entre Manchester City et Séville. Bien sûr. Désolé, mais. Moi j'ai marqué 4 buts, il fallait en marquer 4. Alors qui sont les meilleurs buts du monde ? On revoit les actions là. Gomez qui a bien suivi. Là, Ocampos. J'ai mal, très mal joué mes actions offensives en deuxième mi-temps. Il y avait la place, hein, je pense. Je vois pas comment ce Séville peut gêner Manchester City. Ouais, mais. Alors on va faire essayer. Nos accélérations, ça risque de faire très mal. Hein. On va essayer, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va avoir la finale Manchester City PSG ? Oh là là là, je dois jamais le prendre celui-là. Il est trop simple. Ouais, et alors Yann Sommer là quand même. Ah non, mais ça bout pourtant, tu sais. Il s'enlève un peu de devant, mais. Il s'enlève. Que je veux dire là ou pas Mécano
C'est bizarre que ce soit pas rouge, c'est pas dernier défenseur. Bah ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Ou pas Mécano qui aura pas fait un gros tournoi. Hein. Non. Comment on écrit Anna Cyril? E-M-E-N-E-S-Y-R-I, je crois. Ouais. Non, il y a un Y quelque part. Bah oui, N-E-S-Y-R-I. Y'a pas un I entre le. Regarde, N-E-S-Y-R-I. Ah ouais, bien vu. Ok, je pensais. Là, celle-là, par contre, le but est grand ouvert. E-N-N-E-S-Y-R-I. N-E-S-Y-R-I, en fait. Encore une fois, non, t'es bien passé entre mes deux défenseurs. J'ai zéro occasion en deuxième mi-temps. Ouais. Zéro occasion en deuxième mi-temps. 53-47, 16 tirs, t'as pas 5 tirs, t'as fait un tir. Ah, un tir. Un tir, oui. Qui a pas été cadré. 16 tirs, à 5,8 chances de but. Et t'en mets que 2. Ouais. 85, passe à 83. Allez, on va voir ce que ça va donner, cette demi-finale. Là, mon jeu s'est un peu plus dispersé, hein, mais on peut voir toujours du gros du côté de Campos. Remets le chat. Oui, mais attends, c'est pour mettre les passeurs. Pourquoi est-ce que tu les mets pas côte à côte les fenêtres? C'est parce que c'est qu'après je peux mieux écrire. Tu vas pas me dire que là tu peux pas écrire. Alors, du coup les buteurs t'as mis. 8 pour Yann Sommer. Et s'il n'y a pas eu de passe d'ess. 8 pour Yann Sommer, du coup. 7-8 pour Cancelo, 7-1 pour De Ligt. C'est plutôt bas quand même les notes. Hein. Et alors de mon côté, Alejandro Gomez, homme du match à 8-1. Une passe d'ess pour Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, que lui, il a marqué une passe d'ess. Ouais. Je suis pas voté, il a rejoint quand même cette liste des buteurs. Ouais. Bounou à 7-1. Pourtant, il a fait quelques arrêts. Il a pas fait un si mauvais match que ça. Allez, on y retourne du coup. Rétro Yves, je te laisse faire le match. Mais... Enfin, faire le chat plutôt, regarder le chat. Mince. Alors attendez, moi, on tente le cheat code E-A-S. Ouais, mais tu joues contre un cheat code, donc ça veut dire... C'est vrai. Cheat code contre cheat code, qui gagne? Mbappé contre... Non, pas du tout. Mbappé contre un endroit final, cheat code contre cheat code. Allez, c'est parti. Phase de groupe, hein, du coup. Séville. Allez! Donnez-nous Manchester City. En blanc, ça va aller ou faut mieux que ça? Peut-être en noir. On prend une couleur plus foncée. Ouais. On va jouer en noir. On va se prendre pour l'Inter Miami. Ouais. Alors, 5 minutes semi-pro. On n'aura pas joué à San Mamés quand même. Non. C'est quoi? Non, si, c'est bien San Mamés, le stade de Séville. Oui. Eh ben non. Je confonds toujours avec le non, stade. Non, c'est le stade de Bilbao. Oui, je confonds toujours avec le stade de Bilbao. Non, c'est Sanchez-Pizjuan. Ah oui, c'est Sanchez-Pizjuan, voilà. Ah oui. Le fameux stade où l'équipe de France a perdu la demi-finale contre l'Allemagne. L'Allemagne en 82. Bah c'est bon. Ouais. Alors du coup, Jesús Navas, hein, j'ai dit qu'on oubliait. On va laisser. Ça a gardé mon équipe moi. Non, pas du tout. J'ai pas fait rentrer Sousso. On remet Bounou. J'ai dit on remet Bounou. On remet Lucas, on fait sortir la Mela pour Sousso. Et on est pas mal. Roday, désolé, mais je te déteste. Hein, j'ai un Fernando là, 83. On va laisser cette équipe, j'ai bien aimé. Du coup, c'est la même équipe. Allez, qui en finale? On va faire sortir. De toute façon, c'est forcément allez, une de mes équipes. Si c'est vice qualifié, c'est plutôt bon pour moi pour le PSG. Mais... Allez, c'est parti du coup pour cette tout grande des finales. En plus, tu vois pas trop le micro. C'est vrai. Que... Allez, c'est parti. C'est parti. Pour cette demi-finale, la deuxième après cette première demi-finale à sens unique. Hein. Allez, il y a une mouche sur le micro. Elle va vous faire de la ASMR. On va pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans la première demi-finale, mais je pense qu'on vous sait. Ouais. On va rappeler le score. Allez voir le score en tout cas. Oui. Non, bah, pas nécessaire.
Ou alors Retrouille, si tu veux qu'on rappelle les moult fois où tu t'es pris un score pas très... 7 à 1. Allez voir le tournoi Serie A. Allez voir le tournoi Capitaine Tsubasa. Ouais, le tournoi Serie A aussi. Le tournoi Serie A, c'était pas mal. Hein. Le tournoi Capitaine Tsubasa. Le tournoi Serie A là, de cette année. Bon, j'ai tout misé sur la défense sur les derniers matchs. J'ai pris moins de buts quand même. Ouais. Mais t'en as pas plus marqué. Après tu joues pas contre l'équipe, hein. Tu joues pas contre la même attaquant. Tu joues pas contre la même attaquant. Le principe du foot, c'est de marquer plus de buts que sur l'adversaire. Oui, et c'est pas d'en prendre le moins. Ça peut être une tactique quand même. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, tu fais 0-0. Je veux pas dire on me siffle que des pénalties. Je veux pas dire que le défenseur n'est pas le premier attaquant et l'attaquant, par contre, est le premier défenseur. Deux matchs, j'ai quand même pris 4 pénalties. Hein. J'en ai arrêté 2, t'en as loupé 1. Non, 3. Oui, il en a arrêté 2, il en a pris 1 et j'en ai marqué 1. 4 pénalties en 2 matchs, j'ai bien la bonne tête de l'emploi. Allez, quand même. Allez, c'est parti. C'est moi qui ai le coup d'envoi. Allez, c'est parti. Qui en finale de la Ligue des Champions? Allez, Bernardo, qui a pas fait un très bon match, mais je le fais quand même jouer. On n'est pas prêt de le faire, la finale de la Ligue des Champions. Nibla sera pas là la semaine prochaine. Ouais, donc pas de vidéo la semaine prochaine, malheureusement. Ça commence déjà à attaquer du coup. Et puis avant, faut qu'on fasse quand même l'Europa League. Avant, faut qu'on fasse l'Europa League et l'Europa Conference League, qui plus est. D'abord l'Europa League, après l'Europa Conference League et après la finale. Non, c'est ça. L'ordre de chronologique. Il est passé! Oh la surprise! Séville couvre le score! En-Nesyri! Alors là, je veux pas dire. Non, pas du tout. Je veux pas. Si. Par contre, je veux pas dire. Je me suis trompé de touche. La belle surprise! Et c'est vrai, pour faire ma passe, juste avant que tu la récupères, je me suis trompé. Attention, il y a peut-être y avoir un peu plus de suspense que ce qu'on aurait pensé. Hop. Si je qualifie Séville en finale, ce sera une grande fierté. Qui fait parce que ça veut quoi. Dire, ça veut non, dire non, il a été gêné. Il a parce été que ça gêné. Veut dire que j'aurais qualifié une équipe en finale. Alors, pas mon équipe, mais j'aurais qualifié une équipe en finale quand même. Ouf, là, Ocampos qui a essayé d'y aller en mode pare-buffle. Je vais pas la faire à l'angle. Il est hors jeu. Oui, bien sûr. Mais je vais pas faire à l'angle, le problème. Attention, Nibla qui commence déjà à s'énerver au bout de 8 minutes. Bah oui, mais le problème c'est que je demande pas de faire des passes. Nibla qui s'énerve parce qu'il est mené 1-0 au bout de 8 minutes. Hein. Oui, mais je dois. Ça joue bien, parce que ça joue bien. Attention, il y a Ocampos. Oh non, il s'est enlevé, mais Fernando. Mousselera. Attention, la vitesse. Eh non, bien pris encore, Alain. Le problème, c'est qu'Alain, il va pas vite. Il a fait une fois 38 km/h et tu sais pas comment il a fait. Hein. Rakitic. Il y a quelque chose à faire dans la profondeur. Ah. Contre-favorable. Il y a un 2 contre 1. Il y a trop de contre de favorable. Deux fois En-Nesyri. Deux fois le même. La souris, elle coûte cher, elle a coûté 20€. Deux fois le même, acheté en Belgique. Ouais. Le problème c'est que là, je comprends, il y a trop de points trop favorables. Allez, 2-0. Une souris Sims, hein. Ouais, pour ouais. Ceux qui ne le savent mais pas. Mais style série surtout. Ouais. Puis en vrai, elle fait de la couleur, alors c'est cool. Mais pour ceux qui oh se demandent. Oh là là, il fait je demande des fers de pain. Non. Oui, calme-toi, ça, c'est une bonne idée. Va regarder de l'ASMR, si tu veux je peux te conseiller plein de youtubeurs et youtubeuses ASMR. Ou ça aussi, c'est pas mal comme ASMR. Allez. Par contre, il m'a mis une pause en plein moment où j'avais voilà, où j'avais le ballon. Ce qui est pas terrible. Si je me prends un but là-dessus, moi aussi j'ai ragé. Hein. Parce que Nibla là a fait un peu de l'anti-jeu. Mais je demande pas là. Il est hors-jeu, non? Non, je lui demande pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Position de hors-jeu, oui, mais non, mais Akanji, il est parti tout seul en attaque. Comment il peut avoir une position de hors-jeu? Ouais, j'ai pas réussi à faire déclencher ma passe. Non, mais je lui demande de faire des passes. Il fait pas de passes. Je n'ai ras le bol. Oui, bien joué. Mais en plus, il y a tous les contre-favours. Il y a un jeu. Je tacle, c'est bon. Il y a un jeu efficace et un jeu où ça touche le ballon et ça fait pas grand-chose derrière. Mais là on aurait dit on aurait... Ça se déplie bien encore une fois. Oh, bienvenue. Ça se resserrait, j'ai pas eu le temps de déclencher ma frappe. Je vais faire une frappe de l'eau à toi. Bah écoute. Hollande peut débloquer la situation. Il joue avec De Bruyne. Pour l'instant j'ai pas de proposition là, y'a personne qui propose en attaque. Ça serre les dents. C'est bien regroupé en défense. Ouais, oula. C'est bien joué, ça fait but ça. Oh là là là. Hollande, quatrième but. Pourtant la défense était pas mal hein. Il sera pas au meilleur buteur. En vu le début de match que City, il sera pas meilleur buteur, ça c'est sûr. C'est
C'est dommage, hein, la défense était bien placée et ils ont trouvé. J'ai l'impression qu'il joue à 6 défenseurs, c'est ça le problème. Au millimètre, il a trouvé l'ouverture. Ils sont en train de museler mon petit Haaland. Bah écoute, tant mieux. Voilà, Ocampos encore en vitesse. Il a fait très mal hein, au match tout à l'heure. Il a pas de vitesse, tu m'as dit de le faire jouer à gauche, il a pas de. Ouah, ça a tenté quelque chose. Mais ça a pas déclenché. Kyle Walker, il avait une balle de 3-1. Kyle Walker qui a fait un match énorme tout à l'heure. Il a pas déclenché. Kyle Walker, un héros. Je sais pas qui c'était. En héros, il n'y a pas besoin de nous. Je crois que c'était Gomez, mais il n'a pas déclenché. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui propose. Proposer un peu. Il y a une balle en profondeur, encore une fois, hein, contrat. Bah, qu'est-ce qu'il tente de jouer? Bah, il n'avait pas de vitesse à donner. Attention, le copier-coller, encore une troisième fois. Il est bien muselé, là. Voilà, oui. Lucas Ocampos. Oh, la surprise de ce début de match. Il est toujours pas scanné, Lucas Ocampos. Walker, changement. Walker qui se fait bouffer après avoir fait un énorme match. Akanji, non, attends, je vais attendre un peu, je vais attendre. Oui, bah oui. Parce que vraiment, Akanji, là, il est nul. On va dire là. Mais c'est pas Akanji, c'est. Oui, mais ça fait trois fois que Ocampos il passe. Donne-moi Akanji, là, il doit le museler. Je sais pas où il est, Akanji, il doit le museler là. Il doit l'avoir, il doit 3, le marquer 1. Comme je sais pas quoi là. Oh là là, avec un copier-coller. Trois fois pratiquement la même action. Hein. Le début de match de fan bateau est quand même impressionnant. Ça après, je vais pas dire il a de la chance. Hein, c'est passé en vitesse, Golish. J'aurais préféré jouer c'est bienvenu. Sanchez. Ouais, c'est trop facile pour le gardien, ça. Je lui demande pas de faire ça. Je lui demande pas de centrer. Golish, bienvenu. Bah, appuie peut-être sur les bonnes touches. Peut-être ça fera le truc que bah, tu veux. Bah, non, mais j'appuie sur les bonnes touches. Là, il y a le décalage. La bonne action trouvée. Il n'y a pas faute là. Mais non, c'est bien défendu. C'est bien défendu, il touche rien du tout. Il touche pas le ballon, il touche rien. Je vous ai dit que dans ce match, il a de la chance. Ah. Un Walker qui se récupère un peu là, après un début de match compliqué sur son aile. Pourtant, il avait fait un gros premier match, Walker, et lui-même du match tout à l'heure. Oh, mais il a fait pas la passe. Bien joué, Alejandro. Oula, il y a encore, attention encore, il y a le décalage. Il a fait très très mal, Gomez, depuis le début du match. Wow. Mais pourquoi Ederson il est sorti? Mais pourquoi Ederson il sort? Oh, ça sent le rouge pour Ederson. Non. Mais pourquoi il est sorti Ederson? Je lui demande pas de sortir. Oh, ça me refaire comme Yann Oblak en Super Coupe, c'est bon. Bon level. C'est bon, j'ai pas joué comme Yann Oblak en Super Coupe. On va peut-être avoir une finale Séville PSG, ça va être la grosse surprise. Hein. Il les muselle pas. Ouf. Et je sais pas ce que fait Emeric Laporte, mais je le vois pas. Hein. J'ai pas vu pour l'instant du match. Hein. Émitant. Je lui demande déjà si j'ai pas mis John Stones. Hein. Ouh, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est malheureusement pas fini. C'est peut-être on énorme, est en train de mais... vivre une grosse surprise dans ce tournoi. C'est peut-être énorme, mais le problème. Ils savent pas. Le problème, c'est qu'ils savent pas marquer. Ederson, là, il est pour rien. Là, on est en train de vivre une grosse surprise. Rien faire là, Ederson. Deux fois le même but. Hein. Et presque même trois fois, je dirais. Oui. Non, mais trois fois la même chance aussi. Trois fois, il a un compte favorable qui le. Ah, bah qu'il oui, mais ça fait partie l'envoie. Du jeu, la réussite. Se oui, mais la butette, c'est moi qui les a, les comptes. Bah oui, bah ça. Elle a par contre Walker. Pour une fois que ça change. Walker il a fait deux bonnes actions après c'est tout. Là par contre ce but je dois pas le prendre hein, c'est dommage. Ouais. Ah, Il joue bien, mais je dois. Tes défenseurs ont fait une rétrovive. Tes défenseurs ont fait une rétrovive donc. Et là à nouveau. Et là il y a pas de défenseur. Là il joue encore mieux le coup. Là les deux équipes. Je trouve que là dans nos deux équipes. Il n'y a pas de défense. 52-48, 5 tirs à 1, seulement un tir en but. Un tir en but. Quand même, ouais. Malheureusement, ça par contre ça fait mal. Hein. 0,5 chances de but. Très peu de passes aussi pour Nibla. Ouais. Grosse surprise cette première mi-temps. Le problème, c'est que j'ai pas la balle, donc c'est normal que je fais pas de passe. Donc... Bah, t'as la possession. Ouais, mais je faisais que des dribbles. Ah, bah, le smoover, peut-être le reste de les stats. Les tirs surtout. 3 cadrés. Un tir cadré. Allez, on y retourne, pas de changement. Ouais. Pas de changement. Et bah, allez, c'est reparti, c'est toi qui as le coup d'envoi. C'est bon, il s'est un peu rattrapé là. Anibla qui nous fait pas. Ah, mais c'est pour ça que j'étais nul, j'avais pas le coup d'envoi. Ouais, c'est pour ça, ouais. Attention, Haaland. Ah, Nianzou 5 qui... contre 1. 5 contre 1. But. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait la défense? Il a fait.
mais Nianzou, je vous promets, regardez le tout début de l'action. Nianzou qui ne part pas à courir. Il a fait une Neymar. Ah, ils pourront dire merci à. Regardez Nianzou. Regardez Nianzou qui. Je sais pas, il a fait que des zigzags. On aurait dit un poulet sans tête, Nianzou. Il a fait que des zigzags. Tes défenseurs, ils ont rien compris. On aurait dit un poulet sans tête, Nianzou. Oula, je lui demande pas là, encore une fois. Non, par contre, pas sur. Là, je crée au scandale, hein, je préviens. Voilà, c'est mal joué. Il faut qu'ils appuient leur passe, mes joueurs. Et Walker, il est trop haut, hein, le problème. Hein, c'est que Walker, il se met tôt. Oh là 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 là. Encore la même? La même? La même ou pas? Non, trop sur le gardien. Sur le gardien. J'ai trop attendu. Au dernier moment, ouais. Alors, une bonne relance ou pas? Ah, bien joué, ça. Proposer aussi! Alain, il propose pas. Elle est belle, celle-là. Ah, Nianzou. Qui sert à rien, Nianzou. Et le 3 partout. Et c'est pas ça. 3 tirs, 3 buts hein, pour Manchester City. Eh oui. C'est chirurgical. Hein. C'est l'efficacité. C'est le problème, c'est que c'est l'efficacité de l'attaque de City. C'est que... Vous savez ce que j'en pense, mais... Donc j'ai pas besoin de le dire. C'est dommage pour Bounou. Il était pas si mal que ça sur ce ballon. 3 partout. Hein. Mais est-ce qu'on va pas avoir une prolongation? Il la touche, Bounou. Hein, il la touche. Est-ce qu'on va pas avoir une prolongation? Je sais pas, tu dis le mot prolongation, j'aime pas ce mot. Mais moi, j'aime pas le mot tir au but. Oh, ça va, face à Retroive, face à Retroive encore plus. Parce que là, oui, bah, pour que j'arrive au tir au but, déjà il faut qu'on fasse match nul. On est belle. Et bah l'arrêt d'Ederson, Ederson il se rattrape. On est derrière. Après, Ederson il peut rien faire. Oh, Kitic. J'ai pas été très bon jusque lors sur ces corners. Ouh, elle est pas mal celle-là. Non, dommage. Elle est un peu loin. Ça manquait de force. Ah, pas de solution de relance direct. Ah, ça joue sur l'aile. Avec Kanji, il y a pas eu de changement finalement à la mi-temps. Ouais, mais deux fois. Oula, attention, ça fait but ça. Ah non, bien. Le script est pas allé au bout. Gomez fait mal, hein. Gomez fait mal encore une fois. Ah purée, Nesri qui a hésité à y aller. Oh, une belle balle là. Ouh, Kanji qui se laisse passer. Il y a quelque chose à faire, allez. Il fallait peut-être la donner avant. Ah là là, il s'est pas laissé avoir. Ruben Dias qui se rattrape un peu lui aussi. Propose à Land, propose et oui. Ouais, propose. Dans la profondeur. Ouh, bien joué. Mais le problème c'est qu'il propose pas assez à Land. Ouh, Akanji, comment ça tacler Akanji? Peut-être le moment de se rattraper Akanji. Ça joue pas mal hein, du côté de Séville. Il a pas de vitesse le problème d'Akanji. Hein. Non mais ça joue les centres vers Gomez frère, ouais. Il fait 1m12. Et puis ça joue vraiment des centres très mous, hein. Il faudrait tendre un peu plus les ballons là. Ah, il aurait dû passer dans la profondeur. Ah, Alain ne sera pas en pointe là, il est sur l'aile. Il va y avoir la réception là. Bernardo Silva. C'est pas un. Ouh, De Bruyne, il arrête pas de faire ça en fait. 20 minutes avant une possible prolongation. Faut pas faire ça, De Bruyne. Reste sur tes appuis. Il frappe et il bourrine. Pas de prise de risque du côté de Fanbato. Ouais, c'est un ballon qui va récupérer, bien. Ça va construire avec Gomez, attention encore une fois Gomez. Et belle défense de Walker, belle défense de Walker. C'est un peu trop jeté quand même. Walker aurait été un peu plus costaud quand même en deuxième mi-temps. Oh là, encore une fois. Y'a faute? Non. Si, y'a faute. Quoi? Avertissement verbal. Ouais, là, c'est quand même le jeu est quand même contre moi. Hein. C'est petit. Encore Walker, même endroit. Ah, y a pas de solution. Il va falloir faire quelque chose. Ah si, elle est belle. Ouh. Je la demandais pas par là de toute façon. Elle est dure cette balle, elle est dure. Bah vaut mieux sinon c'est un ballon de plage. Il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Eh oui, En-Nesyri. Triplé à un quart d'heure de la fin, il y avait le décalage hein, depuis un petit moment de ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il fait Kanji? Il est où? Il reste. Vous savez ce que j'en pense. Un quart d'heure. Vous savez ce que j'en pense aussi. Ah, ça m'a applaudi pour mon but. Allez, Phil Foden, je sens que ça. Et Alvarez ne joue pas le ballon d'or? Non. Oh bah tiens, il est ballon d'or, mais il joue pas une minute en Ligue des Champions. Mais c'est trop important. Attention Hollande, est-ce qu'il va refaire le coup tout à l'heure? C'est dur. Bah il est en train de tricoter là trop. Mais il regarde. Non, ça faisait trop quand même. J'ai demandé de faire des
passe. Oula, c'est dur là. Il faut pas prendre de risques. Oh, c'est bien relancé, ça. Magnifique, relance. Il y a personne sur lui. Allez, Jack Grealish. Attention, balle de 5-3. Il a trop de... Oui, la balle de 5-3. Il a trop de chance. Oh, oh, tu te calmes. Oh, tu te calmes là, par contre. Il a trop de chance. En-Nesyri, le quadruplé. Attention, pour le titre de meilleur buteur. Foulez Mbappé 9 buts. Oui, Mbappé à 9 buts, ça me paraît difficile. Hein. Et voilà. Il a 4 buts en finale. On l'a, la surprise, la voilà, la surprise. Séville en finale contre le PSG. Ouais, c'est pas fini. Finale attends, totalement. Il y a que 2 buts d'écart, on est à 10 minutes de la fin. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, et vu comme joue Nibla. Oui, il est pas calme. Oui, et puis en plus, il joue vers l'arrière. Il est en dehors de ses gonds, là, donc... Par contre, faut pas que je lui donne. Il aura, beaucoup trop tricoté pour. Mais qu'est-ce qu'ils font, mes défenseurs? C'est quoi ces défenseurs en carton? Ou Alvarez ça... rentre en buteur? Bah oui, mais ça, c'est juste le veut rentrer juste pour le plaisir. Hein. Le ballon d'or rentre. Il a tout gagné. Mais c'est pas pour ça que t'es ballon d'or. Hein. Bah oui, mais sur une saison, faut que tu gagnes tout pour que tu sois ballon d'or. Hein. La Ligue des Champions. Voilà le 6-3! En-Nesyri, le quintuplé! Je veux pas dire Ronaldo, quand il a gagné le ballon d'or en 2013, Ribéry il a rien gagné, il a pas eu le ballon d'or. Ribéry il a tout gagné plutôt. Non? Il a pas gagné la Bundesliga. 3... Ribéry bien sûr que si. Non, il a pas gagné ça, c'est pas énorme surprise de ce tournoi! Et il gagne la Ligue des Champions cette année-là aussi, Ribéry. Oui! On aura vu l'un des meilleurs matchs de fan battle de la saison, je pense. Non, je te dis que non. Non? Ouais, bah. Le plus important, non, c'est de répliquer ça en finale. RB Salzbourg, c'était à peu près pareil. Hein. Le RB Salzbourg. Bon, là, c'est fini. En vrai, je peux jouer, je pense, pratiquement sans pression. Julian Alvarez. Ouh. Laisse-moi marquer au moins avec Julian Alvarez. Laisse-moi marquer avec le ballon d'or. Il faut qu'il pointe sa tête dans le classement des buteurs. Cette blague. Oh, Yama. Yama. Oui. Yama. Allez, Julian Alvarez, tu le tires. Je m'en bats un peu les couilles. Oh. Allez. Bounou, on croit pas. Voilà, oui, oh, oui. Lui, il aurait été nul, hein. Guada, guaga, guaga, ga, truc. Ouais, tu regardes pas sur mon net, tu regardes là-bas. Oui, bah bien sûr, oui. Bah, je vais quand même regarder l'écran, voir si je l'arrête. Ah, c'est Roland Vassi, c'est bon, qui le tire. Hein? Hein? Allô? Ah, ça y est. Mais vas-y. Ouais, il la sort, magnifique. Mais vas-y, je lui demande pas ça. Mais non, mais ça a bugué, je lui ai demandé même pas de ce côté. Ça a bugué. Donc. Tout le match aura bugué. Ouais, attention, là, t'as failli faire tomber vraiment tout. Hein. Attends, mais laisse-moi faire un changement. Là, t'étais parti juste pour t'énerver. Hein. Je t'ai dit, je veux faire un changement. Bon, c'est bon, il a planté le jeu. Mais laisse-moi faire un changement. Je te dis que je veux faire un changement. C'est moi qui a le ballon, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui décide de s'il y a pause ou pas. C'est un très bon truc qu'ils ont mis en place, ça, en ligne. Je pense qu'ils devraient le faire aussi, en mode... Ouais, le voilà, le 7. Oh, non. Oh, Ederson qui est bien sorti. On voit son expérience. Comme tout à l'heure, hein, où il fait une sortie alors que je lui ai pas demandé. Olé, olé. Mais oui, mais je te dis, je l'ai pas demandé encore. Je te dis, j'ai des bugs. Oh là, il y a encore une place, là. Mais... Elle est belle. Non. Mais je lui demande même pas de sortir. Non, mais il est complètement bugué, ce match. Et voilà. Oh, le bisou que le ballon a fait au poteau. Il est complètement bugué, le match. Je veux rien dire, mais il est complètement bugué. Ah ouais, je pense que vous jouez 10 fois, Nibla le gagne 9 fois, mais alors, il a gagné la bonne fois. C'est le plus important, je l'ai gagné. Ouais, mais bon. Et il a fait surtout l'un. Moi, je joue pas. Il a fait chaque fois qu'il y a des bugs, je perds tout le temps. La preuve avec la match Super Coupe. Et il a fait l'un de ses meilleurs matchs sur FIFA, quand même, de l'année. Je jouais contre Séville, j'ai peut-être gagné quand même. PSG Séville, grosse finale, grosse surprise. Hein. Ouais. Grosse finale. Bah, deux surprises en finale. Séville, là, ils ont gagné l'Europa League. Donc c'est... Oh, on m'applaudit pour ma victoire, merci. L'Europa League, ils ont gagné l'Europa League cette année, ils ont pas gagné la Ligue des Champions. Non, mais en gros, pour ceux qui se demandent, qui entendraient Pierre, je pense qu'on n'entend pas, on a la fenêtre ouverte et il y a des gens qui applaudissent. Bravo pour fin de bateau. Doublé d'Alain. Mais on a cru qu'à Land allait remettre. Pardon. C'est qui a marqué toi après sinon? C'est Gomez, non? Oui. Non, c'est Ocampos. J'en aurais marqué avec Lucas. Et je pense que t'avais jamais mis 6 buts à Nibla. Ah si.
Si. Non, non. Si, 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 si. Sur FIFA 23, non. Oui, oui, sur FIFA 23, oui. Tu m'as jamais mis un, mais sur un autre FIFA, oui. Ou sur d'autres FIFA, je pense que je t'ai mis... C'est quand même un peu cheaté, parce qu'elle est trouvée un 6-3 sur une demi-finale de Ligue des Champions. Mais oui, mais non, mais les demi-finales ont été n'importe comment. Hein. 10-1 pour moi le premier match. Ouais, ouais, franchement, c'était n'importe quoi. C'est... Allez, voilà. Fini. On a plus de Bernardo Silva. EAS, c'est le titre de EAS. Qui marque. Oui, ça, le match, il est tout à fait. Le match, ça ne fera pas de victoire. Hein. Oui. Ouais, bah ouais. 12 tirs à 7, en vrai, c'est... Ça avec ça, je t'as vu la différence la de... 12 tirs à 7. Ouais. C'est quoi, du coup, les 4,4 chances de but. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Tu attends 30 secondes, s'il te plaît. 75% de précision de tir. Ma précision de passe, c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt content, 87%. En général, c'est ce sur quoi je pêche. Je fais 110 passes, hein, quand même. Hein. 87% de précision, c'est vraiment pas mal. 4ème meilleur buteur et la série. Donc voilà, 83% de taux de réussite de dribble. Ouais, 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 ouais. T'as quand même beaucoup plus taclé, hein, Nibla. Mais t'en as réussi que 9. T'as un moins bon total. J'ai bien dispersé mon jeu là, hein, contrairement aux autres fois où je jouais que sur une certaine aile. Là, c'est vraiment pas mal, on peut voir sur le graphique. Regarde, Akanji, il a jamais eu la balle. Akanji, regarde, c'est sur moi la position. Akanji, non, mais ce qui est étonnant, c'est que Gomez avait pas fait un gros premier match contre moi et là, il fait un match énorme, Gomez. Bah écoute. Il a quoi? Il a 3 passes décisives. Après, je vais pas dire. Oh, on va voir ça, mais oui, défense, je pense. Ma défense, on aurait dit 4 goals sur FIFA. Si ce n'est. Oui, 3. Oui, oui. Moi, j'aurais pensé que, genre, tu vois, tu mets. Si ce n'est peut-être plus. Moi, j'ai cru que ma défense, genre, c'était. En défense, il y avait Neuer, Courtois, Yann Sommer et Ederson en défense. Donc, 12 tirs, 9 cadrés. Toi, tu fais 7 tirs, t'en cadres 5. Voilà, voilà. J'ai réussi 96 passes. Attends, comment je peux faire 7 tirs alors que j'en ai fait 15? Ah, on pouvait voir là le graphique sur les passes, la connexion. Je vous laisse regarder là la connexion entre. C'est. 19 et 24. Entre Acuna et Gomez. Et regarde, qui est, moi énorme. C'est le joueur qui est le plus. C'est Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne, moi. Regarde, Akanji, il a fait aucune passe. Mais j'avoue, il a pas touché le ballon. Mais non, c'est pas Akanji, c'est le joueur que t'as fait rentrer. Oui, c'est pas Akanji, c'est. 47-6, c'est Akanji 47. Non, c'est le 26-5. C'est qui 47? Bah, c'est celui que t'as fait rentrer. C'est fort, c'est Mick Schumacher. Alors du coup, on va voir ça. Donc 7-7 Jack Grealish. Très mauvais match. Silva, Alon, Grealish. Ouais. Alors c'est pas qu'il y a déjà une passe D. Alon qui se rajoute dans la... 2 buts pour Alon, 1 pour Silva. 7-7 Grealish et Alon. Qui est déjà qui est Grealish? Voilà, Mahrez à 7, Walker à 6-9. La note, de Akanji, 6, hein. La note de Akanji 6-6. Oui, alors, qui c'est d'autre qui est rentré? C'est Phil Foden. C'est Phil Foden qui est rentré. Il n'est pas défenseur gauche, Phil Foden. Bah oui, mais tu l'as fait rentrer défenseur gauche. Et Lucas Ocampos. J'ai fait rentrer la porte. 9-1 homme du match. Un but, une passe. 4 passes décisives pour Alejandro Gomez. Bah, c'est ce que j'aurais dit. Mal. Et une pour Torres. Et une pour Torres. Ouais. Une pour Ocampos, 4 pour Gomez et une pour Torres. Non, 4 pour Gomez et 1 pour Torres. Gomez, c'est bon, égalise Mbappé au niveau des buteurs. Non, des passeurs, des passeurs. Ouais. Ocampos, qui aura vraiment fait un gros tournoi. En-Nesyri aussi. 5 buts là, quand même, c'est une performance historique. Rakitic à 6-6, Nianzou à 6-7, hein, vraiment, ça mérite. C'est... Pourtant, il est même pas homme du match, En-Nesyri. Oui, bah oui, mais Ocampos lui a fait encore plus. Enfin, un but, une passe, là ça se voit pas, mais il a été très important sur son aile, il a créé énormément d'actions. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'Akanji. Voilà. Le problème, c'est que moi, ma défense, il y avait un gros trou de fromage, un gros cratère de lune. Voilà donc pour. Oh, la musique. Ouais. Bon, vous savez quoi? Eh ben, moi, je m'en vais directement. No, moi, je dis bye bye. Non, non. Can you love me again? En plus, voilà. Quand on se fait pas respecter dans les débuts de live, et ben voilà, je perds. Ouais, et ben j'ai continué. Et Fun Batou nous a pas laissé dire bonjour. Bon, voilà. Ça t'a déstabilisé, oui, bien sûr. L'essentiel, c'est toujours dire bonjour aux gens. Tu vois? Arrête! Allez, il est bien temps, il est temps que ça s'arrête ce live. Voilà, donc bon, bah écoutez, merci. Merci d'avoir regardé ce live avec Nibla le mauvais perdant, Retrovive et... Le mauvais perdant.
et moi-même fan Bateau 17. Vous n'avez pas dit que j'ai donc, pas le droit de frapper dans un bureau. Donc, c'est bon. N'hésitez pas à mettre un pouce à la rediffusion de ce live, à s'abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre mon serveur Discord, à le monsieur sur Twitch et sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, FanBateau7, Twitter, Instagram et Facebook, FanBateau7 sur les trois réseaux sociaux et sur Twitch également. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye! Au revoir.